Eh bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce nouveau grand entretien de Ciel et Espace réalisé donc à la Cité internationale universitaire en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lyon. Merci à notre invité, Franck Celsis. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Merci de nous avoir rejoints à la capitale pour, je dirais, faire un point qui s'impose et qui, pour moi, compte beaucoup, puisque en 1995, ça devait être, si mes souvenirs sont bons, le 6 octobre 1995, à l'Observatoire de Haute-Provence, une centaine d'astrophysiciens étaient réunis pour une discussion sur les étoiles et attendaient la présentation de deux astronomes, donc Michel Mayor et son étudiant de l'époque, Didier Queloz, qui, dans l'après-midi, sont venus les voir et leur ont annoncé la découverte d'un objet baptisé 51 Pégase, donc dans la constellation de Pégase, à 51 années-lumière de la Terre. Un objet qui fait à peu près la moitié de la masse de Jupiter et qui tourne autour de son étoile en très peu de temps, puisque je crois que c'est 4 jours. Annonce de la première exoplanète, planète tournant autour d'une autre étoile que le Soleil. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Des centaines, des milliers de planètes extérieures ont été découvertes. Les inventeurs de cette observation, donc, je rappelle, réalisée en France, hein, à l'Observatoire de Haute-Provence, ont eu le Nobel. Quand on discutait avec Michel Mayor, il était très drôle, d'ailleurs, il disait, je lui ai demandé un jour... Est-ce que vous pensez au Nobel? Vous aurez le Nobel quand même. C'est comme la mort, ça ne faut pas y penser. Sauf que Michel a eu la récompense suprême, si je puis dire, pour la science. Aujourd'hui, on a besoin, Franck, d'avoir, je dirais, un état des lieux. Je dirais, où en sommes-nous de cette gigantesque révolution des planètes tournant autour d'autres étoiles? Qu'est-ce que... Alors, presque en encyclopédiste, hein. Qu'est-ce que nous devons savoir de l'état de l'art aujourd'hui avant d'aborder toutes les questions qui vont concerner des objets spécifiques? Très bien. Déjà, bonsoir tout le monde. Ravi de vous voir ici et merci pour l'invitation. Donc, effectivement, 1995 et la découverte de la première exoplanète. Alors, ça ne s'est pas fait non plus... bien sûr, l'annonce, la publication s'est faite au mois d'octobre. On était un certain nombre à être au courant depuis l'été. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça, parce que le résultat, il faut savoir que l'observation des exoplanètes, c'est quelque chose de très indirect. Dans la plupart des cas, on observe une étoile et on déduit des propriétés que l'on observe de l'étoile, la présence de planètes. Et là, on avait un signal dont l'explication la plus simple était effectivement un objet planétaire, mais avec des caractéristiques un petit peu contre-nature, en tout cas contre-nature par rapport à l'archétype du système solaire et aux objets qu'on cherchait. Un objet de la taille, de la masse plutôt, de Jupiter, mais orbitant extrêmement près de son étoile en quelques jours, donc quelque chose qui ne correspond pas à l'étalon du système solaire, où on a ces planètes géantes loin de l'étoile et les planètes telluriques très proches. Et donc il a fallu du temps pour confirmer ça. D'ailleurs, ça a été d'abord un petit peu discuté. Il y avait une revue prestigieuse, je ne sais plus si c'était Science ou Nature, qui avait contesté et qui avait attribué ça à de l'activité stellaire. Donc cette mesure indirecte, elle a été... elle avait l'air solide, mais ça a été vraiment solidifié en 1999 quand on a observé pour l'une de ces exoplanètes, qui étaient toutes du même type, ce qu'on appelle des Jupiters chauds, parce que c'était les seuls qu'on était capable de détecter à l'époque, par une méthode, on y reviendra, qui est la méthode des vitesses radiales. Globalement, on regarde le mouvement orbital que fait l'étoile en mesurant sa vitesse et les variations périodiques de sa vitesse. Pour qu'une étoile ait des variations périodiques de sa vitesse, il faut qu'elle gravite avec quelque chose d'autre.
Et donc, il a fallu attendre de voir pour l'une de ces exoplanètes son transit, c'est-à-dire que la dixième d'entre elles, au moment prédit par ces observations-là, a fait baisser la luminosité de son étoile. Et cette baisse de luminosité se reproduit tous les quelques jours à chaque fois qu'elle passe. Alors, il fallait attendre d'avoir une planète qui nous présente son orbite, je dirais, qu'on soit dans le plan de l'orbite, c'est-à-dire qu'on la voit par la tranche. Donc les neuf premières n'étaient pas orientées comme ça. Il y avait une probabilité d'environ 10%, qui est simplement donnée par le rayon de l'étoile divisé par la distance entre la planète et l'étoile. Ça fait à peu près 0,1. Et voilà, et la dixième, pour faire plaisir aux probabilités, a transité. Et là, on avait deux mesures complètement indépendantes et qui devaient être cohérentes entre elles pour expliquer. Donc là, il y a eu une véritable confirmation. Et pour la petite histoire, c'est pas très connu, mais 51 PEG, donc la première exoplanète, elle a été détectée d'une autre façon, il y a quelques années, d'une façon extrêmement fine, et qui a permis de mesurer sa masse, parce qu'en fait, à cette époque-là, on, n'ayant pas d'idée de la géométrie du système, on n'avait qu'une limite inférieure sur sa masse. Et il y a quelques années, des collègues ont regardé l'étoile à très très haute résolution spectrale, c'est-à-dire avec un très grand télescope. Ils ont dispersé la lumière, mais dans des dizaines de milliers de canaux. Et ils ont regardé si ce spectre-là ne pouvait pas être corrélé avec des spectres moléculaires, comme le méthane, le monoxyde de carbone ou la vapeur d'eau. Et donc ils ont fait, parce que ces choses-là ont des vitesses, donc quand il y a des vitesses en astrophysique, il y a un effet Doppler, donc les spectres sont décalés, donc le décalage vers le rouge, vers le bleu. Et donc ils ont regardé ces deux spectres qu'ils ont fait glisser l'un par rapport à l'autre, et puis à un moment donné, ils avaient un petit match. Alors je ne sais plus si c'était la molécule d'eau ou la molécule de méthane. Et ce petit match, c'était pour quelle vitesse ? C'était pour une vitesse qui pouvait correspondre à une vitesse orbitale. Ils l'ont fait à un autre moment, ils avaient une autre vitesse orbitale et une autre vitesse orbitale. Et du coup, ils ont, en détectant une molécule dans ce spectre cumulé de l'étoile et de la planète, où il y avait une signature moléculaire qui glissait comme ça en fonction du temps et en fonction de la vitesse de la planète, ils ont vraiment caractérisé le mouvement orbital de 51 PEG-B et en même temps sa masse réelle. Et voilà, donc maintenant, ce qui est très beau, donc je m'éloigne un peu de ce bilan, mais disons qu'on peut le faire de plein de façons. On a maintenant plusieurs techniques pour détecter les exoplanètes, des techniques complémentaires qui vont de méthode indirecte à directement la photographie hein, d'une étoile avec ses planètes. On pourra y revenir dans certains cas. On a une branche de l'astrophysique qui a immensément grossi, puisque au milieu des années 90, quasiment jusqu'aux années 2000, tous les astrophysiciens qui travaillaient sur ce sujet-là, ben on pouvait, c'était à peu près le nombre de personnes qu'il y a dans cette salle, même peut-être moins, et donc on pouvait tous aller au resto ensemble, on se connaissait tous. Moi j'ai vraiment commencé à ce moment-là, puisque en fait j'ai commencé ma thèse au moment de la découverte de 51 PEG. Et aujourd'hui, les observations, l'activité disons astrophysique dédiée aux exoplanètes, c'est environ un tiers de l'astrophysique, entre un quart et un tiers de l'astrophysique. Le télescope spatial James Webb, par exemple, qui aujourd'hui est la machine la plus formidable pour faire des observations généralistes dans tous les domaines de l'astrophysique, il y a environ un tiers de ces observations, entre un quart et un tiers de ces observations qui sont dédiées aux exoplanètes. Donc ça, c'est une façon de faire le bilan. Une autre façon de faire le bilan, c'est que voilà, certaines personnes, la majorité peut-être des personnes ici dans cette salle sont nées dans un univers à 8 ou 9 planètes, selon que l'on compte ou non Pluton. Et aujourd'hui, on est dans un univers où les planètes sont innombrables. C'est-à-dire que ça, c'est une découverte qui est venue par l'accumulation de données, et je dirais en particulier par un télescope spatial qui s'appelle Kepler, qui a été lancé en 2009. Qui a fait surtout son cœur d'opération pendant 4 ans, où il a observé le même champ d'étoiles dans le ciel, 150 000 étoiles qu'il a observées, dont il a mesuré la luminosité au 100 millième près, toutes les demi-heures, pendant 4 ans, et qui a permis de découvrir les transits de milliers d'exoplanètes. Et connaissant les biais d'observation, puisque par les transits, on ne voit que les planètes qui ont la bonne idée de passer devant et derrière leur étoile, donc c'est une toute petite fraction des exoplanètes.
Mais cette fraction, on la connaît. On connaît en fait le biais d'observation. Et donc, on peut partir des milliers de détections qu'on fait et inverser ces détections pour revenir à la population sous-jacente qu'il doit y avoir dans la galaxie. Et donc, à partir de ces observations-là, courant des années 2010, on a dit, voilà, ben, la majorité des étoiles dans la galaxie ont des planètes. C'est-à-dire que ça n'est plus une spéculation. Les auteurs de science-fiction avaient raison, plus peut-être que les astrophysiciens qui attendent de voir. Voilà, il y a une incroyable diversité. Et même avec nos biais qui font qu'on est aujourd'hui capable de voir que des exoplanètes d'un type particulier, les plus grosses, les plus proches de leur étoile, surtout autour d'étoiles plus petites que le Soleil, malgré tous ces biais, on sait aujourd'hui que au moins une étoile sur deux a des planètes, et cette fraction va augmenter à mesure que nos observations nous permettent de révéler des nouvelles planètes. Donc le bilan, c'est essentiellement ça, et pour aller encore plus loin, on est allé au-delà du dénombrement pour aller dans les caractéristiques d'exoplanètes et faire vraiment de la planétologie comparée, puisqu'on peut avoir des mesures de masse et de rayons assez précises. Moi, il se trouve que mon système planétaire préféré, qui s'appelle TRAPPIST-1... On va en parler. On pourra en parler. Mmh. On a pu mesurer le rayon et les masses des planètes qui sont des planètes telluriques. Il y en a 7, au moins 7 dans ce système, à quelques pourcents près. C'est-à-dire avec la précision qu'on avait sur les masses de Mercure et Vénus au milieu du XXe siècle. Et on peut partir, alors, pour des grosses planètes comme 51 PEG, des planètes géantes chaudes, on sait déjà faire de la caractérisation de leurs atmosphères. On peut détecter des molécules, mesurer des températures, des vents, des choses comme ça. Oui, des vents. On n'est pas encore à détecter des atmosphères pour des planètes de taille et de température terrestre. On essaye avec le James Webb, ça s'avère difficile. Mais ça, c'est l'autre aspect, c'est-à-dire qu'on n'est plus juste dans le dénombrement. On peut faire des colloques entiers sur un système planétaire autre que le système solaire. Je peux citer juste trois exemples pour finir. Je suis au courant de trois colloques scientifiques qui étaient dédiés à d'autres systèmes planétaires. Donc TRAPPIST-1 a déjà eu une ou deux conférences uniquement dédiées à ce système-là. Il va y avoir à Nice, là, en juillet, une conférence sur le système d'Alpha du Centaure. Donc Alpha, le système stellaire, il y a trois étoiles. Et puis les planètes de l'étoile C, donc Proxima, qui a au moins deux planètes, peut-être trois, peut-être plus. Et puis notre système qui est Beta Pictoris, qui est un jeune système vu par la tranche où on voit son disque de poussière et de gaz et des planètes des Jupiters tout jeunes. Et voilà, je dirais, ce sont déjà... Voilà, imaginez tout le travail qu'a donné aux astrophysiciens, aux planétologues, le système solaire. Ben, on a une infinité de systèmes planétaires sous la main dans des architectures complètement différentes qui vont nous apprendre des choses complètement différentes sur ces systèmes-là et sur le nôtre, parce qu'en fait, il faut comprendre la diversité. On pourra y revenir, c'est-à-dire qu'on était bloqué avec le système solaire, on ne comprenait pas le système solaire jusqu'à ce qu'on voit la diversité des exoplanètes. Mais j'ai quelques petites questions pour préciser... Fais une pause pour respirer. Non, mais c'est pour préciser l'état de l'art, justement. Est-ce qu'il est vrai, parce que c'est ce que vous déclariez dans une interview au Ciel et Espace il y a quelques années, je crois, que si les systèmes à l'extérieur, la plupart, tous d'ailleurs, auraient pu ressembler à notre système solaire, on n'aurait toujours découvert aucune planète? Oui, c'est à peu près toujours vrai. C'est-à-dire pourquoi? Que c'est pour ça, en fait, qu'en 1995... les astrophysiciens qui s'intéressaient aux exoplanètes étaient moins nombreux que vous dans cette salle. C'est parce que quand on faisait des plans sur leur possible détection par différentes méthodes, il était assez naturel pour qu'on puisse convaincre nos collègues, financer nos projets, faire des programmes d'observation dédiés. Il était assez naturel de prendre comme exemple le système solaire et de le placer autour d'une étoile à quelques années-lumière, quelques dizaines d'années-lumière, et de dire voilà, je suis capable éventuellement de détecter Jupiter, qui est quand même le plus gros morceau dans le système solaire, ou la Terre. Et ben ça marchait pas du tout, les prédictions n'étaient pas bonnes, on n'était pas équipés pour faire ça, et on l'est pas vraiment aujourd'hui. C'est plus tout à fait vrai peut-être pour Jupiter. Jupiter, on peut le détecter par le mouvement orbital qu'il donne à son étoile, donc si on avait un analogue du système solaire.
On peut le détecter, on a la précision sur les variations de vitesse, mais la période, voilà, c'est une dizaine d'années. Donc en fait, ça veut dire que si on veut avoir une ou deux périodes, il faut observer ça pendant 10 ou 20 ans. Donc on y est là, on commence à sortir des analogues de Jupiter. Mais par contre, les analogues, soit plus lointains de Saturne et des géantes glacées, ça on n'a pas. Ou alors des tout jeunes qui viennent de se former, qui sont encore à 1000-2000 degrés et qu'on sait détecter par imagerie. On en a une dizaine, une vingtaine. Et puis par contre, les terres, on ne sait pas les détecter autour d'un soleil. On sait les détecter autour d'une petite étoile, mais on n'a pas encore les moyens de les détecter vraiment autour d'un soleil. Donc aujourd'hui, les systèmes qui seraient des analogues au système solaire échappent encore à nos techniques d'observation. Et la nature a été bien sympathique de nous paver la voie avec des systèmes entre guillemets exotiques, mais qui ne le sont pas du tout exotiques, qui sont juste... En fait, on a de la chance que, si vous voulez, dans un espace des paramètres de taille de planète, de période orbitale, de type d'étoile, on a vraiment tout cet espace qui est peuplé. Et donc aujourd'hui, oui, il s'avère que voilà, si on cherche un Jupiter qui orbite en quelques jours autour de son étoile, comme l'a fait Michel Mayor, oui, on trouve. Et est-ce que, on continue à compter les découvertes ou finalement ça n'a plus beaucoup d'importance à partir du moment où on a une population? Alors moi, je ne sais plus où on en est. Il y avait un compteur au début, compteur d'exoplanètes. Milliers, mais ça ne m'intéresse pas. Pas particulièrement, sauf si ça permet d'affiner les statistiques sur les différents types de planètes. Voilà, depuis qu'on sait que la majorité des étoiles ont des planètes, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller vers justement des zones nouvelles de cet espace des paramètres et d'aller vers la caractérisation de grandeur physique, la taille, la masse, est-ce qu'il y a une atmosphère, etc. On est encore, en fait, si vous voulez, il y a un peu un âge d'or, je pense, il y a un peu un âge d'or des exoplanètes qui vient de se terminer, parce que maintenant, le saut technologique pour aller aux planètes qui vont nous intéresser plus, par exemple, qui sont les planètes de taille et de température terrestre, c'est toujours très difficile d'accès. Surtout si on veut les chercher autour d'une étoile. Donc pour l'instant, on fait de la statistique de population, en fait. On fait de la statistique de population... mais pour des populations qui sont assez différentes de celles du système solaire, des planètes qui sont... Et on fait aussi de la caractérisation d'atmosphère, mais plutôt de planètes d'un type différent de ce qu'on a dans le système solaire. Voilà, mais on a quand même des super objets à caractériser. Oui, il y a des choses bizarres, enfin bizarres, ou en tout cas on peut les comprendre, mais on voit par exemple que les astronomes pensent qu'il existe ce qu'on appelle les planètes flottantes, c'est-à-dire celles qui ont été éjectées de leur propre système, mais sauf que quand on regarde la statistique de ça, on lit dans la littérature scientifique qu'il pourrait exister autant de planètes flottantes que d'étoiles dans la galaxie. Oui. C'est pas une plaisanterie. Non, c'est pas du tout une plaisanterie. Alors... du coup, le laboratoire où je suis à Bordeaux, il y a une équipe qui est vraiment spécialiste dans la détection de ces objets de masse planétaire, donc grosso modo des objets de la masse de Jupiter, mais qui ne sont pas liés à une étoile et qu'on observe dans les régions de formation stellaire, donc dans les amas jeunes d'étoiles où ces planètes-là sont encore très chaudes parce qu'elles se sont formées récemment et du coup on peut les observer et puis on n'est pas gêné par l'éblouissement de l'étoile haute. Donc elles sont détectables, et une des questions fondamentales sur ces planètes errantes, c'est savoir si elles se sont formées comme des étoiles, c'est-à-dire par effondrement en une boule de gaz, simplement au lieu de former une étoile ou une naine brune, c'est possible que il y a bien la fonction, ce qu'on appelle l'IMF, la fonction de masse des étoiles, vers les faibles masses, on ne la connaît pas. Donc il y a une possibilité, c'est juste que autant on peut former une toute petite étoile comme Trappiste-1 qui fait, une centaine de fois la masse de Jupiter. On peut former des naines brunes qui font une quinzaine de fois la masse de Jupiter. On doit pouvoir former aussi des objets de la masse de Jupiter. Mais on doit aussi
dans ces amas jeunes où les étoiles et les planètes se forment, les étoiles sont très proches les unes les autres à ce moment-là, et il y a des interactions gravitationnelles assez fortes, et les planètes doivent se retrouver éjectées, beaucoup de planètes doivent se retrouver éjectées. Donc on ne sait pas, entre ces deux sources, quelle est la principale origine de ces planètes errantes, dont pour l'instant on ne voit que la partie la plus massive, mais il y a probablement des planètes de taille terrestre errantes. Avec mon collègue actuellement Sean Raymond, on fait justement des calculs d'éjection de la Terre par le passage d'une étoile proche. Bon, je suppose que c'est rigolo d'éjecter la Terre. Mais non, mais c'est intéressant de... Là, les probabilités actuellement sont assez faibles, mais au début de l'histoire, et puis surtout... On voit arriver les étoiles qui sont problématiques. Donc pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Enfin, mais par contre, au début de l'histoire des systèmes planétaires, dans les régions, dans les pouponnières d'étoiles où ils se forment, il y a une très grande densité. Et notamment, dans ces zones-là, il y a beaucoup d'étoiles qui sont en couple binaire et qui, il y a une disruption de leur binarité. C'est-à-dire que les étoiles, il y a plus de binaires d'étoiles en duo ou de systèmes triples, etc. Il y en a plus dans ces régions où les étoiles sont jeunes que dans les étoiles plus évoluées, parce qu'elles se sont passées les unes à côté des autres. Et on voit aussi, notamment dans les populations d'exoplanètes, pas pour les Jupiter chauds, parce que leurs orbites sont circularisées par des forces de marée, mais pour les planètes géantes un peu plus analogues à Jupiter, on voit qu'elles sont souvent très excentriques, c'est-à-dire qu'elles ont des orbites très elliptiques, pas circulaires. Elles ont des orbites très allongées. Et ça, c'est le signe qu'il y a eu des instabilités gravitationnelles dans ce système-là. Ça peut être une instabilité due aux planètes géantes entre elles. Donc on a connu ça dans le système solaire. Heureusement, ça a été modéré. Il y a eu une... On pourra y revenir. Disons que les planètes se forment dans un disque de gaz ou de poussière avec une configuration qui est stable dans ce disque de gaz et de poussière. Et quand ce disque se dissipe, eh bien la contribution gravitationnelle de ce disque disparaît, et ses positions, ses orbites qui étaient stables pour les planètes géantes, dans un système où il y a plusieurs planètes géantes, c'est pas le cas de tous, devient instable généralement. Et donc il va y avoir une instabilité très tôt dans ces systèmes qui ont plusieurs planètes géantes, et elles peuvent être très violentes, et elles peuvent éjecter des planètes, elles peuvent donner des orbites très excentriques qui vont balayer tout le reste du système, c'est-à-dire éjecter toutes les petites planètes. Nous, ça a eu lieu dans le système solaire, mais c'était très modéré. C'est-à-dire que ça a donné une très légère excentricité, inclinaison à Jupiter-Saturne. C'est très très modéré. Ça a façonné un peu le système solaire, on pense, cet événement. Ce qu'on appelle les instabilités précoces, et bon, voilà, on a échappé à ça, mais beaucoup de systèmes avec des planètes géantes sont très excentriques, et ça peut être lié aussi à ces passages d'étoiles proches. Donc il y a un bazar un petit peu au début. C'est drôle, parce qu'en vous écoutant, on a l'impression d'entendre, c'était après les passages des sondes Voyager dans le système solaire, où on découvrait finalement chaque environnement planétaire, où on frôlait les planètes, et la grande conclusion, je me souviens d'André Braik, c'était de dire tous parents, tous différents, c'est-à-dire l'extraordinaire variété et diversité des corps dans le système solaire. Et à vous entendre, c'est finalement la même chose autour des autres étoiles. Oui. C'est-à-dire que les objets sont, ou en tout cas les systèmes, sont à chaque fois très différents. C'est très important, ça, de comprendre que on fonctionne beaucoup par analogie, hein, dans les sciences au départ, quand on n'a pas grand-chose à se mettre sous la main. Et donc, la diversité, l'échantillon de planètes qu'on a dans le système solaire, ça a été la base pour imaginer la diversité des planètes. Donc il y a les Vénus, les Mercure, les Jupiter, les Saturne. Il n'y aurait pas un satellite, il n'y aurait pas une lune dans le système solaire qui est Titan avec une atmosphère épaisse. On aurait probablement une définition d'une lune qui implique le fait de ne pas avoir d'atmosphère. Et on connaîtrait pas ce type d'atmosphère d'azote, de méthane avec des hydrocarbures. Une grosse partie de nos théories sur la zone habitable, l'habitabilité, vient d'essayer de comprendre les différences entre Vénus, la Terre et Mars. Et donc la grande question, c'est, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas dans le système solaire et qui n'ont pas stimulé
notre réflexion de chercheur. Et ce qu'on voit dans les systèmes exoplanétaires nous montre qu'il est évident que l'on n'a qu'un tout petit échantillon de cette diversité qui est déjà impressionnante dans le système solaire. À part le duo Uranus-Neptune, qui a quand même pas mal de similarités, le reste, effectivement... Mais c'était notre système de pensée. Voilà. Et notamment, ça a vraiment forgé notre système de pensée, c'est-à-dire que quand vous travaillez sur la formation du système solaire au début des années 90, vous mettiez les ingrédients dans une simulation numérique et il fallait que ça vous sorte des petites planètes proches de l'étoile avec des périodes typiques. Si on prenait une étoile de la masse du Soleil, on partait avec un disque, on répartissait la masse des solides dans les planètes selon un disque, puis on regardait comment ça évoluait, ce que ça donnait. Et grosso modo, il fallait que ça donne des petites planètes proches et puis assez loin des planètes géantes, éventuellement des géantes glacées. Ça marchait pas du tout. Ça marchait pas du tout d'avoir ça comme réalisation systématique, comme aboutissement systématique de ces modèles. Or, à l'époque, c'est ça qu'on voulait obtenir, puisque c'est dans ça qu'on est. Quand on a vu les premiers systèmes exoplanétaires, donc les caractéristiques du système solaire, c'est celle que je viens de vous dire, mais c'est aussi une dichotomie très marquée qui nous a permis de définir des classes de planètes, puisqu'on a, grosso modo, les planètes de type terrestre, les planètes telluriques, de Mercure à la Terre. La Terre est la plus grosse des telluriques. Et ensuite, la plus petite des géantes, donc Uranus ou Neptune, c'est 4 fois le rayon de la Terre, c'est 15 fois la masse de la Terre. Il y a un saut énorme qualitatif entre les planètes de type terrestre et les géantes glacées. Et ensuite, il y a un autre saut entre Saturne, qui fait 80 fois la masse de la Terre, et Jupiter qui fait 320 fois. Et ce que je veux dire, c'est que il fallait aussi que ces modèles donnent ça. Mais aujourd'hui, quand on voit les exoplanètes, on n'a plus aucune raison de faire un modèle qui donne un système solaire. Ce qu'on veut, c'est une modélisation qui donne une gamme de systèmes. Et parmi cette gamme-là, effectivement, on s'attend de temps en temps à pouvoir sortir un objet, une architecture comme le système solaire, mais il faut aussi qu'on trouve les Jupiters chauds, il faut aussi qu'on trouve un type de planète extrêmement fréquent dans la galaxie, peut-être pas forcément le plus fréquent, mais en tout cas le plus fréquent dans nos observables accessibles aujourd'hui, qui sont justement ces planètes intermédiaires entre la Terre et Uranus-Neptune. Mmh. C'est-à-dire que des planètes qui font 4, 5, 6, 10 fois la masse de la Terre et 2-3 fois le rayon de la Terre, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Il y a presque une étoile sur deux qui a une planète comme ça, et souvent ces planètes-là, on les trouve dans des systèmes multiples. Est-ce que par un curieux revers de l'histoire, ça rendrait notre système solaire assez unique ? En tout cas, c'est pas la norme. Mais est-ce qu'il y a des systèmes qui sont la norme ? C'est-à-dire que cette unicité ou cette rareté du système solaire, est-ce qu'on peut pas le dire aussi pour n'importe quel autre système planétaire pris au hasard ? C'est-à-dire que dans cette diversité, il y a tellement de paramètres possibles que est-ce que vraiment, puisque on l'a dit au début, les équivalents du système solaire avec des architectures proches autour d'étoiles comme le Soleil, on n'est pas capable aujourd'hui de les observer. Donc c'est un petit peu difficile de dire qu'ils sont uniques. Mais par contre, on peut jouer à un jeu un peu différent, mais on peut se dire, déjà, le Soleil, est-ce que c'est une étoile commune ? Alors tout dépend des limites qu'on se donne. Il y a un continuum dans le type d'étoile. Alors nous, astrophysiciens, on leur donne des lettres. Vous avez le Soleil, c'est une étoile G. Si c'est un petit peu plus petit, un peu plus froid, c'est K et M. Puis au-dessus, si c'est plus chaud, c'est F, etc. Et plus on va vers les étoiles massives, plus c'est rare. Et plus on va vers les petites étoiles, et plus c'est abondant. Donc si on se dit, allez, on va regarder les étoiles dont les caractéristiques vraiment peuvent être comparables à celles du Soleil, c'est-à-dire que si on sort de cette catégorie, on a quand même des étoiles assez différentes. On va dire que grosso modo, les étoiles de type solaire, c'est, mettons, allez, 10% des étoiles dans la galaxie. 10%. Donc on est à 1 sur 10. Après, prenons le système solaire. C'est quoi la chose la plus importante dans le système solaire ? Bon, si vous êtes intéressé par la vie, la biologie, etc., vous allez dire la Terre, c'est normal. Mais en termes de physicien, vous regardez les masses, il n'y a pas photo, c'est Jupiter qui mène la danse dans le système solaire. Donc le système solaire, c'est avant tout le Soleil et Jupiter. Donc, ok, des Jupiters, on commence à pouvoir les détecter, les planètes géantes.
allez, on va dire que 10% des étoiles de type solaire ont un Jupiter. En tout cas, un qui est détectable aujourd'hui. Cette fraction pourrait augmenter, parce que je vous ai dit, on a du mal à les voir. Les 10-20%. On va prendre 10, c'est pour un ordre de grandeur. Donc on est déjà à une étoile sur 100. Je vous ai dit que les Jupiters qu'on trouvait, ils étaient souvent très excentriques, très elliptiques. Ils se rapprochent, ils s'éloignent de leur étoile, et en faisant ça, bah, ils vont aller balayer toutes les orbites proches et lointaines de l'étoile. Ils vont pas laisser de la place pour des petites planètes tempérées comme la nôtre. Donc si on s'intéresse comme caractéristique à un Jupiter plutôt sur une orbite circulaire, bah, c'est à peu près 10% de ces Jupiters-là. Donc on est déjà à une étoile sur 1000 dans la galaxie. Si on veut quelque chose qui ressemble au système solaire, par son étoile, sa planète géante et l'orbite de sa planète géante. Donc on est sur 1000. Alors bien sûr, on pourrait, et si on rajoute des contraintes, par exemple le fait d'avoir un Saturne, un peu comme Saturne, Saturne a aussi été très important pour la dynamique du système solaire, le fait d'avoir par exemple une planète comme la Terre dans la fameuse zone tempérée, pourquoi pas rajouter, se dire, ah mais moi je veux un système où la planète dans la zone habitable ou une planète a une grosse lune massive. Ok, d'accord. Mais là, vous imaginez bien qu'on va effectivement aller vers l'unicité. Mais on pourrait prendre les humains sur Terre et à force de rajouter des critères de taille, de je sais pas moi, de couleur de cheveux, de arriver à l'empreinte digitale de l'humain qui est unique. Donc le système solaire est-il unique ? Certainement, plus ou moins, en tout cas dans l'univers, si on va vraiment explorer tout l'univers dans son ensemble, on va probablement pouvoir aller trouver des analogues très proches, mais ils sont hors de portée. Mais en quoi c'est si important que ça, l'architecture même du système solaire ? C'est-à-dire, c'est ça. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est si important de chercher l'architecture du système solaire ? Alors, je voudrais savoir pourquoi c'est si important, et je voudrais que vous nous en parliez, de s'intéresser aujourd'hui avec le plus grand et le plus puissant télescope du monde, qui est le James Webb Télescope, en tout cas dans l'espace, à TRAPPIST. Quel est ce système ? Pourquoi est-ce que, finalement, on se focalise avec ce grand instrument, et vous faites partie des équipes qui mènent des expériences avec le JWST sur TRAPPIST ? Une toute petite étoile, une naine rouge, donc entourée de 7 planètes. Alors c'est pas très loin, hein, c'est un système qui est à 40 années-lumière de nous, donc c'est l'approche banlieue. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que quelque chose qui ressemble, si je puis dire, allez, au système jovien, donc Jupiter entouré par ses satellites, mais sous une forme planétaire, avec une étoile, vous passionne, vous intéresse. Et quels sont les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui ? Alors oui, on pourrait pas. Je vais vous raconter rapidement l'histoire de ce système-là. Et puis on interagit, vous n'hésitez pas. Oui, bien sûr. Mais je vais vous raconter un peu la découverte de ce système et la motivation pour aller chercher un système comme ça. Donc on était aux environs de 2010. Le télescope spatial James Webb arrivait dans le paysage. Bon, comme les gros projets, ils sont souvent retardés, mais il arrivait. Et tout le monde disait, ouais, il va être hors atmosphère dans l'infrarouge, il va permettre de faire la caractérisation de planètes potentiellement habitables, de planètes tempérées. Et notamment autour de naines rouges, qu'on commençait à détecter ces planètes tempérées autour de petites étoiles rouges. On commençait à les détecter par vitesse radiale, par transit. Mais on était quelques-uns à se dire, ah oui, mais non, mais quand on fait les nombres, quand on fait les calculs, non, ça ne suffit pas. Même le James Webb, autour d'une naine rouge qui fait 20% de la masse du Soleil, on ne pourra pas caractériser vraiment bien ces planètes, c'est trop gros par rapport à l'étoile, donc le signal de transit d'une planète qui passe devant, il est faible, donc il est détectable, il n'y a pas de problème. Mais le signal associé à son atmosphère, lui, ça semblait hors de portée. Donc on a été plusieurs, globalement des gens à Liège, en Belgique, à Genève, en Suisse, et à Bordeaux, en France, à se dire, bon, il faut... il n'y a pas photo. Si on veut pouvoir caractériser une planète de taille et de température terrestre, grosso modo, la taille et la température de la planète étant données, il faut qu'on trouve ça autour de la plus petite étoile possible. Pour pas qu'elle gêne. Voilà. Et il faut, parce que c'est très intéressant aussi ailleurs, mais si on veut pouvoir l'offrir au James Webb pour tenter une détection d'atmosphère, il faut qu'elle soit, et même on avait dans l'idée de chercher autour de naines brunes.
Plus petit, plus sombre, qui se refroidissent au cours du temps, c'est-à-dire une espèce de sous-étoile, encore moins massif, entre les Jupiters et les étoiles, et de se dire, l'intérêt, c'est de se dire, les périodes orbitales doivent être très courtes, et donc on doit pouvoir faire des projets observationnels depuis le sol, c'est-à-dire on les prend une par une, on passe une nuit à l'observer, s'il n'y a pas eu de transit pendant une nuit ou deux nuits, trois nuits, on élimine, on passe à une autre, et puis on va passer du temps à rien voir, mais si on trouve un système, ce sera le jackpot, on aura une cible pour le James Webb. Et donc on a fait ça avec le télescope spatial Spitzer, on a fait ça depuis le sol, et puis Michael Gillon à Liège, lui il a recyclé un télescope qu'il a appelé TRAPPIST pour vraiment faire ce survey. Alors TRAPPIST ne pouvait pas trop faire les naines brunes, mais pour faire les plus petites étoiles, il s'est dit voilà le catalogue des plus petites étoiles dans le ciel accessibles avec ces télescopes. Et on va les regarder une par une avec des télescopes avec un télescope automatique et puis on va essayer de trouver ça. Fin 2015 début 2016, il y a donc un signal de transit multi-transit autour de cette étoile qui du coup s'est nommée TRAPPIST 1, où il y avait, alors du coup comme l'étoile fait moins de 10% de la masse du Soleil, son rayon est à peu près celui de Jupiter, donc une planète de la taille de la Terre, c'est juste 10 fois plus petit en rayon, donc 100 fois plus petit en surface. Donc quand la planète passe devant son étoile, ça fait une baisse de luminosité de 1%. C'est la même chose que ce qu'on a quand un Jupiter chaud passe devant un Soleil. 1% pour nous, c'est vraiment... sur les données, ça se voit, comme ça, il n'y a aucun problème. Et on avait donc des planètes à courte période. Hein, la première avait une période de 1 jour et demi. La deuxième de 3 jours, de 2 jours et quelques. Et on s'est dit, waouh, c'est super. Et puis en plus, on avait un transit bizarre. On se demandait s'il n'y avait pas une planète double, comme une espèce de Terre-Lune, mais avec deux planètes de même taille. Oula, et on a demandé du temps au télescope spatial Spitzer, en disant, voilà, il y a peut-être d'autres planètes dans ce système. Il est bien orienté, donc s'il y en a d'autres, celles-là étaient un peu chaudes, ces planètes. Et on a demandé le maximum, 21 jours, et on a eu 21 jours d'observation. Donc Spitzer a pointé TRAPPIST hein, pendant 21 jours. Et quand les données sont arrivées, il y avait 34 transits de 7 planètes différentes. 34, voilà, et des étoiles toutes de taille à peu près terrestre, et dont l'insolation va entre celle de à peu près Vénus, un tout petit peu plus chaud que Vénus, et un peu plus froid que Mars. Et puis avec des périodes extrêmement courtes, et on a commencé à se prendre de passion pour ce système, parce qu'effectivement, il permettait des... Mais la première découverte, c'est quand même de... Depuis le sol. Depuis le sol, mais oui. La première, c'est de voir que sur une toute petite étoile, donc il y a beaucoup de planètes. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'était pas trivial. C'est-à-dire dans le disque qui entourait C'est presque plus un analogue TRAPPIST 1, c'est presque plus un analogue de Jupiter et des satellites galiléens. Oui. L'étoile a la même, pas la même masse, mais a le même rayon. Les périodes orbitales, la TRAPPIST 1b, c'est la période orbitale de Io, etc. Donc ça correspond. Mais c'est des grosses planètes. Oui, mais c'est tout à l'échelle des systèmes galiléens, et notamment le système de TRAPPIST, les planètes sont, les orbites sont imbriquées dans un système de résonance qui font que, en fait, si vous voulez, quand la, que je dise pas de bêtises, je vais me tromper dans les nombres, mais c'est pour vous donner l'idée. Quand la planète la plus interne fait 2 tours autour de l'étoile, la suivante en fait exactement 3, la suivante en fait exactement 5, etc., jusqu'à la 7e qui en fait, mettons, exactement 22, un truc comme ça. Voilà. Donc il y a des rapports entiers, et c'est vrai aussi pour Io, Europe, Ganymède, ce qu'on appelle des résonances de Laplace. Et ça, c'est pour des raisons de stabilité que les systèmes évoluent comme ça. Ça permet de jamais avoir deux planètes. Enfin, quand je dis ça permet, ça fait un peu intelligent design, mais c'est dans une évolution, forcément, on va se retrouver piégé dans les îlots de stabilité. Ça permet qu'il n'y ait jamais 3 planètes successives du même côté de l'étoile. S'il y en a 2 d'un côté, l'autre, elle est à l'opposé. Donc il y a des gens qui sont amusés à faire de la musique avec ça. Mais ça fait grand manipulateur, hein, quand même. On a organisé ça de telle façon à ce que ça se passe. Ouais, non, c'est complètement fascinant, parce que ça ressemble à un objet mathématiquement un peu extraordinaire. Ce qui est drôle, Franck, aussi, c'est que ce sont des planètes qui présentent la même face, toujours, alors, en direction de leur étoile. C'est ce qu'on pense. C'est pas sûr ? Si. Mais disons que c'est pas observé. Oui.
mais en fait, dans le système solaire, quasiment toutes les lunes ont la même, tournent sur elles-mêmes avec la même période qu'elles tournent autour de leur planète. Donc elles présentent effectivement, vue de la planète, toujours la même face. Il peut y avoir un peu de libration, mais... Ouais, la Lune a une orbite un tout petit peu excentrique, donc on voit un tout petit peu plus qu'un hémisphère, mais grosso modo, c'est ça. Et ça, c'est lié aux forces de marée qui donc déforment les planètes. Et si une planète est déformée, vous comprenez, assez, je pense, assez intuitivement que si elle n'est pas dans cet état de rotation synchrone, eh ben, elle ne va pas rester alignée, sa déformation, sur le ballon de rugby, si vous voulez, il ne va pas rester aligné vers la planète. Mmh. Donc cette déformation doit changer tout le temps. Et donc ça chauffe, ça dépense de voilà, et ça crée des couples de forces qui vont soit accélérer, soit freiner la rotation, jusqu'à ce qu'elle soit effectivement alignée. C'est pour ça qu'il y a ça. Et la Terre est hors de portée de ce phénomène pour le Soleil, ce qui n'est pas le cas de Vénus et de Mercure, mais ni l'un ni l'autre n'est synchrone. Mais voilà, Mercure, c'est parce qu'elle est sur une orbite elliptique, et Vénus, c'est probablement son atmosphère qui l'empêche. Mais dès qu'on va vers des planètes de même température, mais autour de plus petites étoiles, pour avoir la température de la Terre, il faut être tellement près de l'étoile que là, les forces de marée vous synchronisent de façon certaine. Alors, sur Trappiste, oui, les calculs montrent qu'elles doivent être synchrones. La petite inconnue qu'il y a, ce sont les effets, les perturbations entre les planètes qui pourraient faire que cette synchronisation ne soit pas parfaite et qu'il y ait une légère dérive. C'est-à-dire qu'au lieu d'être parfaitement synchrone, un jour dure un siècle, quoi. Oui. Un de nos siècles. Bon, alors cible idéale donc pour le JWST, qui pointe Trappiste avec tous ses instruments et en particulier MIRI, je crois, pour l'infrarouge. Et première annonce, il y a peu de temps, c'était le 27 mars, l'exoplanète Trappiste 1B n'a pas d'atmosphère. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire pas mal de choses parce qu'en fait. Le James Webb, c'est une grosse machine et les publications pèsent beaucoup. Et donc les données sont publiées au coup par coup. Donc pour Trappiste-1b, donc la planète la plus proche, effectivement, ce qu'on est capable de mesurer avec le James Webb, c'est en fait de voir disparaître la planète derrière l'étoile et la voir réapparaître. C'est-à-dire qu'on voit quand la planète disparaît, on observe en infrarouge dans différents filtres. Et on regarde l'étoile, et quand la planète disparaît derrière, boum, une très légère baisse de luminosité. Et puis quand elle ressort, ça remonte à son niveau. Et donc cette diminution, c'est la lumière de la planète. Donc on peut la mesurer. Comme elle est proche, elle est chaude. Et voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette mesure. On pensait ne pouvoir la faire que sur Trappiste-1b et Trappiste-1c. Il fallait qu'elle soit assez chaude. Et moins elle a d'atmosphère, et plus son côté jour va être chaud. Et donc plus on a un signal fort pour cette planète, moins on pense qu'il y a une atmosphère. Alors, il y a une mesure qui a été faite à 15 microns, donc dans le spectre, c'est dans l'infrarouge thermique, qui montre que le côté jour de Trappiste-1b, il est quand même bien chaud. Et effectivement, si on m'avait demandé avant qu'est-ce que donnerait une planète sans atmosphère, style Mercure ou la Lune, j'aurais dit, je calculais très rapidement le flux qu'on devrait obtenir, et c'est exactement ça qui a été mesuré. Donc l'explication la plus simple... C'est effectivement qu'il n'y a pas d'atmosphère. Sauf qu'on a des observations dans d'autres filtres. Et là, c'est plus aussi simple. Mais ce n'est pas encore publié. D'accord. Donc voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on fait des annonces sur une mesure et qu'aujourd'hui, personne n'a un modèle pour expliquer les deux mesures qui sont faites dans les deux canaux. Ça, je ne suis pas censé en parler. Mais juste pour vous dire, la différence, c'est que dans un des canaux, on a 4 ou 5 observations. Et dans l'autre canal, qui est celui problématique, qui n'est pas cohérent avec l'autre observation, on n'a qu'une mesure. Donc on va attendre d'en avoir plus. Alors, c'est publié. Mais on a aussi des observations pour la C. Alors justement, c'est publié en continu parce qu'il y a une pression. C'est pas les mêmes groupes. C'est pas les mêmes groupes et que tout le monde attend des résultats. Et en particulier les résultats, ou en tout cas les observations qui intéressent un maximum de monde, dont vous, ce sont les planètes qui sont dans la zone dite habitable. Ah ouais, mais là c'est pas... Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous résumer très clairement ce qu'est la zone habitable et ensuite nous dire si le JWST va nous donner des informations sur ces planètes, si elles ont une atmosphère, si on est capable de les détecter, qu'est-ce qu'on peut attendre, etc. Alors, pour replacer un petit peu dans le contexte et expliquer aussi pourquoi les planètes les plus internes sont importantes, c'est qu'en fait, on se pose des questions
sur la possibilité des planètes autour de ces petites étoiles de garder des atmosphères et de l'eau au cours de leur vie. Pour deux raisons. La première, c'est que une étoile comme le Soleil, sa luminosité, elle augmente. À partir du moment où les planètes sont formées, sa luminosité, elle augmente très légèrement. Donc la Terre était un petit peu moins ensoleillée au début de son histoire qu'elle l'est maintenant, et elle le sera plus. Voilà. Et dans un milliard d'années, il faudra qu'on change de planète ou qu'on mette un grand parasol. Ou qu'on touille le Soleil. Ouais, ou qu'on touille le Soleil. Et pour Trappistin, au contraire, pendant un bon milliard d'années, elles se refroidissent. Ce qui veut dire que les planètes qu'on trouve aujourd'hui à des températures de type terrestre, elles étaient très chaudes au début de leur histoire, au point que si elles ont de l'eau, cette eau était vaporisée. Et donc on avait une atmosphère riche en vapeur d'eau, si jamais elles avaient de l'eau. Et cette atmosphère riche en vapeur d'eau, et du coup, est exposée au rayonnement agressif de l'étoile, au rayonnement extrême UV, au rayonnement X et aux particules. Et on craint que ces atmosphères, pendant ce premier milliard d'années, où l'étoile est très active, et ce sont des étoiles qui sont très actives, peuvent perdre leur atmosphère. Donc si on avait trouvé une atmosphère sur les plus internes, on aurait soufflé en se disant bah, c'est un exemple nous suffit pour nous dire que c'est possible. Si la planète la plus exposée peut garder une atmosphère, bah, pour les autres, il n'y a pas de raison. Je n'ai pas dit qu'elles en aient, mais il n'y a pas de raison qu'elles la perdent. Donc trouver que des planètes n'ont pas d'atmosphère comme la B, bon, ben, Mercure n'a pas d'atmosphère, ça ne présume en rien pour Vénus, qui a une atmosphère qui est 100 fois la masse de l'atmosphère terrestre. Ceci dit, ça nous aurait soulagé de ça. Donc c'est pour ça que la planète B est aussi intéressante. On a des mesures, la planète C, on a des mesures pour la C qui sont moins catégoriques que celles pour la B, c'est-à-dire que, moi en tout cas, enfin, mon interprétation, on verra... c'est que j'ai l'impression qu'on a quand même besoin d'une atmosphère pour expliquer le flux qu'on reçoit de la C. Mais c'est un point, faudra attendre d'avoir d'autres choses. Alors, quelles sont les autres... Donc ça, cette méthode de voir la planète disparaître derrière, ça marche pour la B, la C, les autres, les plus tempérées, les plus intéressantes pour éventuellement avoir de l'eau liquide. Donc cette fameuse zone habitable, elle est définie comment ? Bah, c'est simplement la gamme d'insolation, ou d'instellation si on parle d'étoile, la gamme d'insolation, donc la gamme de distance orbitale à une étoile, où dans notre cuisine de modélisation climatique des exoplanètes, en étant très généreux, il n'est pas impossible d'avoir de l'eau liquide. Voilà. Si on sort de cette zone-là, on n'a pas trouvé de moyen d'avoir de l'eau liquide avec des choses raisonnables du point de vue climatique, etc. Donc l'habitabilité, la zone habitable, c'est vraiment au sens du physicien, c'est vraiment focalisé sur l'eau liquide et la possibilité de l'eau liquide. Donc on n'est pas du tout à la biologie, c'est clairement pas l'eau, c'est clairement pas une condition suffisante pour la vie, mais c'est intéressant. Alors voilà, il faut plutôt voir cette zone habitable comme ce qui n'est pas la zone habitable. C'est plutôt interdit dans nos connaissances, voilà, pour avoir de l'eau liquide à la surface. Vous pouvez encore en avoir à l'intérieur, mais à la surface, voilà. Donc c'est un peu une espèce de zone privilégiée pour d'éventuelles futures recherches de signatures de vie indirectes dans l'analyse des atmosphères. Voilà, c'est ça qui fait un petit peu rêver. Donc c'est un peu la zone de... Voilà, alors HZ, Habitable Zone... Donc à un moment donné, j'avais proposé, parce que justement, ce mot habitable, ça pose problème, puisqu'on regarde juste... J'avais appelé ça la hunting zone, la zone de chasse, quoi. Après, je trouvais que hunting, c'était pas un joli mot, et puis ça veut dire que nous, on est dans la zone de chasse de notre système. Voilà, on n'a pas envie d'être chassé par... voilà, on voit ce que ça voit quand il y a des extraterrestres chasseurs, des prédateurs qui débarquent chez nous. C'est jamais amusant, donc voilà, la zone de surf, si vous voulez, là où on peut surfer ou faire de la voile... Ce genre de choses. Vous avez été marqué par Alien. Oui, et par Predator. Par beaucoup de films comme ça. Parce que voilà, c'est frustrant, l'astrophysique. Oui, on pèse les planètes, on mesure les rayons, voilà, mais on veut savoir qu'est-ce qui grouille à la surface. Et voilà, on a besoin d'aller quand même vers ces films-là. Donc pour en venir, voilà, qu'est-ce que tout le monde dit, James Webb va nous permettre de caractériser les planètes dans la zone habitable de Trappistin. Et là, pour l'instant, c'est compliqué. Parce que là, on doit utiliser une autre technique qui est que quand la planète passe devant le disque de son étoile, en fait, on a une baisse de luminosité qui est simplement liée
au rapport, au rapport des rayons au carré. Donc c'est ça qui donne, je vous ai dit, 1%. Si votre planète n'a pas d'atmosphère, vous allez toujours mesurer la même taille, la même baisse de luminosité, le même rayon apparent pour votre planète, que vous le mesuriez dans l'infrarouge, à telle longueur d'onde, dans le visible, peu importe, c'est une sphère qui passe devant un disque. Voilà. Si elle a une atmosphère, et que cette atmosphère, du coup, a des molécules, plus ou moins absorbantes pour le rayonnement, eh ben, si vous observez dans une bande d'absorption d'une molécule, par exemple la vapeur d'eau, votre planète elle va paraître un peu plus grosse que si vous l'observez dans une fenêtre d'absorption de l'eau où vous allez... Donc, c'est comme ça qu'on a, pour la première fois, détecté des molécules, la vapeur d'eau, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, sur des planètes, sur des exoplanètes, mais plutôt grosses, des planètes géantes ou intermédiaires entre les planètes telluriques et géantes, les super-terres, comme on les appelle, ou les mini-Neptunes. Mais pour le faire pour une planète tellurique, même autour de Trappiste, c'est compliqué. Alors on l'a fait, on a beaucoup de temps pour le faire, on l'a fait sur les planètes les plus intéressantes. Mais ce qu'on voit, c'est effectivement des variations, même qui sont corrélées avec des molécules, mais qui sont beaucoup trop fortes pour être dues à l'atmosphère de la planète. Donc ce qu'on pense, ce qu'on voit, c'est des hétérogénéités à la surface de l'étoile. C'est-à-dire que le problème, c'est que ces étoiles froides, pour nous froides, hein, font 2500 Kelvin, donc 2700-2800 degrés Celsius, c'est suffisamment froid pour avoir des molécules. Et ben, si quand la planète passe devant l'étoile, elle passe devant des régions qui sont pas... qu'elle masque des régions qui sont pas strictement typiques de la moyenne de l'étoile, par exemple s'il y a des taches, et que dans les taches, il y a plus de vapeur d'eau, par exemple, eh ben, quand on va faire cette espèce de soustraction qui nous permet de revenir à la taille de la planète, on va avoir une contamination par des molécules de l'étoile, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il va falloir voir des signatures planétaires au milieu de ces contaminations de l'étoile, et donc ça suppose de caractériser l'étoile. Il y a beaucoup de domaines d'astronomie où un signal se révèle quand on enlève la partie connue. D'accord ? Par exemple, quand vous détectez par vitesse radiale quand vous regardez les variations de vitesse d'une étoile qui sont liées à la présence d'une exoplanète, il faut d'abord enlever la vitesse qui est liée au mouvement de la Terre autour du Soleil. Et ça, il faut le faire de façon très très fine, parce qu'il domine complètement par rapport au signal qu'on veut observer. Donc on a une très très bonne connaissance du mouvement de la Terre autour du Soleil, et on l'enlève, et normalement le résidu ne contamine pas. Il est arrivé qu'il y ait eu des contaminations, par exemple les premières détections d'exoplanètes annoncées qui étaient des planètes avant 51 Pec, qui étaient des planètes autour de pulsars, donc de résidus d'étoiles mortes, étaient entachés de cette erreur-là et ont jeté le discrédit sur ces méthodes qui, par ailleurs, étaient très bonnes. Et ce que je veux dire, c'est que là, quand on enlève ce signal parasite, celui-là, on le connaît très bien, mais la contamination par des patchs qu'on ne connaît pas à la surface d'une étoile qu'on ne connaît pas, parce que c'est un point pour nous, cette étoile, et ces petites étoiles, on ne connaît pas très bien la physique, arriver à les modéliser de façon à pouvoir enlever de façon suffisamment solide ce signal pour que le résidu, on soit confiant et on dit ce résidu, c'est le signal d'une atmosphère, c'est pas gagné. Vous nous avez mis en garde sur nos systèmes de pensée dès le début de cette conversation, en disant attention, pas nécessairement sur l'anthropocentrisme, mais sur la vision que nous avons des systèmes. Est-ce que Trappiste est une bonne cible ? Est-ce que finalement la meilleure nouvelle, c'est pas simplement que le JWST est capable de voir des détails extrêmement fins, entendu les bémols que vous mettez sur la capacité qu'on a à soustraire l'étoile et son information. Est-ce que on a d'autres cibles ? Et je pense en particulier, tout simplement parce que c'est l'étoile la plus proche, vous y êtes intéressé à Proxima du Centaure, oui. C'est la porte à côté, si je puis dire, où on est encore en train de discuter de l'existence ou pas d'une atmosphère à cette exoplanète. Est-ce que, finalement, on a une répartition des observations qui permettent de diviser les risques ? Alors, le James Webb, lui, il est intéressant pour les planètes qui transitent. Ce n'est pas le cas des planètes autour de l'étoile Proxima, donc l'étoile la plus proche de nous,
qui est dans ce système de trois étoiles, qui a au moins deux planètes. Ce ne sont pas des planètes qui transitent. Donc le James Webb, on peut en discuter. Il y a quelque chose qui peut tenter, mais qui est assez coûteux en temps et qui est difficile à faire. Mais simplement pour revenir, là où je pense le James Webb va apporter le plus de choses, ce sont sur ces planètes intermédiaires qu'on n'a pas dans le système solaire, qui sont de taille et de masse intermédiaires entre la Terre et Uranus-Neptune, et qu'on trouve à des températures vénusiennes, on va dire, voilà, autour d'autres étoiles, et où là, on devrait avoir de très belles observations avec le James Webb, et donc on va apprendre sur l'atmosphère de ces planètes. Est-ce qu'elles sont plutôt neptuniennes, ou est-ce que certaines sont des planètes océans, c'est-à-dire faites comme les lunes de Jupiter ou de Saturne, d'une grande fraction d'eau, pas 0,1% en masse comme la Terre, mais 10, 20, 30%, auquel cas on aurait vraiment énormément d'eau, ce qui nous serait, même si elles sont trop chaudes pour être dans la zone habitable, ce serait quand même une fenêtre de compréhension. Comme on le disait au début, on a eu besoin de ce petit échantillon de diversité dans le système solaire pour imaginer les planètes ailleurs. Donc ces caractérisations de planètes qui ne sont pas dans le système solaire, même si elles ne sont pas d'un intérêt direct astrobiologique, ce sera très facile après d'imaginer, oui, mais il y en a de ces planètes qui sont à la bonne température. Peut-être pas accessibles par le James Webb directement, mais les plus chaudes, qui nous révèlent leur atmosphère, vont pouvoir nous apprendre des choses. Alors, il y a une autre chose qui est intéressante à faire avec le James Webb, peut-être sur les planètes de Trappiste, peut-être sur Proxima. Si je vous ai dit, on peut voir ce moment où la planète disparaît derrière l'étoile. Et donc, je ne sais pas comment le faire. Imaginez qu'il y a l'étoile là devant moi, et mon point c'est la planète. Donc là, la planète, elle a disparu. Elle vous présente son côté jour. Donc quand elle émerge, ou avant qu'elle disparaisse, ce que vous voyez, c'est son côté jour. Et puis dans son mouvement orbital, si elle a une rotation synchrone et qu'elle présente toujours la même face à l'étoile, petit à petit, au moment de son transit, elle va vous présenter son côté nuit. D'accord ? Et s'il n'y a pas d'atmosphère, le côté jour va être très chaud, ou s'il y a une atmosphère ténue, le côté jour va être très chaud et le côté nuit va être très froid. Sur Mercure, par exemple, ou sur la Lune, le côté nuit, il est à moins 170 degrés. Enfin, il n'émet rien du tout. Le côté jour de la Lune, il est à 100 degrés Celsius, et le côté jour de Mercure, il est très chaud. Donc, globalement, si on observe ça en infrarouge, si on a été capable de détecter la luminosité de la planète par différence, eh bien on devrait, si on continue d'observer, on devrait voir si ce petit jump qu'on a détecté, quelle est sa variation par rapport à cette mesure étalon qui est celle de l'étoile seule, même si dans le cas de Trappiste, il y a d'autres planètes qui viennent perturber, mais bon. Est-ce qu'on va voir en fait le flux de cette planète qui diminue, ou est-ce que globalement on va le voir rester constant? S'il est constant, ça veut dire que globalement, ou s'il varie peu, que son côté nuit est quasiment aussi chaud que son côté jour. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui redistribue la chaleur. Et ça, c'est une atmosphère ou un océan, quelque chose comme ça. Si par contre il y a un grand contraste de température, on a un climat plutôt lunaire ou martien. Et auquel cas, c'est pas très bon pour... Voilà. Mais ça peut être aussi une autre façon de détecter les atmosphères. Donc ça, on peut le faire, on peut le tenter avec Trappiste 1b et c. Mais on peut éventuellement le tenter avec Proxima, même si elle ne transite pas. C'est-à-dire qu'on pourrait essayer de voir cette modulation, même si on n'a pas le seuil de référence qui est le moment où la planète disparaît. Eh ben, à moins que la planète soit vraiment dans le plan du ciel, auquel cas on voit toujours la même phase. Mais ça, si c'était ça, on ne l'aurait pas détecté par vitesse radiale. Puisque le mouvement de vitesse radiale sur une planète qui est dans le ciel, l'étoile, vous ne la voyez pas du tout se rapprocher, s'éloigner. Donc on pourrait imaginer, en fait, observer Proxima. On connaît la période de la planète qui est tempérée autour de Proxima, qui est de 11 jours. Et on pourrait voir si on a un signal infrarouge avec une périodicité de 11 jours. Le truc qui est compliqué, c'est que s'il y a une planète avec une atmosphère dense qui redistribue, donc... Et en fait, on ne va rien détecter, puisque du coup, il n'y aura pas de modulation et qu'on n'aura pas le niveau de référence. Par contre, si on a une planète qui est comme un gros Mercure avec un côté chaud et un côté froid, on va détecter la modulation. Donc c'est un peu bizarre parce que, grosso modo, imaginez dire « Ouais, j'ai observé, j'ai rien détecté, donc j'ai démontré qu'il y avait une atmosphère. » C'est un peu osé. Franck, il nous reste quelques minutes et j'ai deux questions.
La première, c'est que va-t-il se passer pour le futur ? Je sais que vous travaillez sur de futurs télescopes avec l'Agence spatiale européenne, mais est-ce que des instruments dédiés, plus spécialisés, vont exister ? Comment voyez-vous je dirais, alors ça va vite, hein, en 1995, ça nous semblait être hier, mais dans 25 ans ? Tout dépend à quoi on s'intéresse. On va avoir des choses très chouettes qui vont arriver. Par exemple, ne serait-ce que le télescope spatial Gaia, qui est en fonction depuis plusieurs années et qui, lui, cartographie les étoiles de la galaxie, donc qui mesure leur position très précisément et leur vitesse en trois dimensions, devrait révéler beaucoup d'analogues de Jupiter. Et ça, ce serait vachement intéressant. Bien sûr, on imagine le futur des exoplanètes comme, disons, on a envie de poursuivre cette extrapolation et d'aller vers la détection de planètes plus terrestres et leur caractérisation aussi en termes atmosphériques. Là, on est toujours face à ce gap, à ce saut technologique énorme. C'est-à-dire, on voit même que le James Webb, notre fleuron aujourd'hui hors atmosphère, a du mal avec la cible vraiment qui s'offre vraiment le plus à nous, qui est Trappist-1. Même là, il a beaucoup de mal et vraiment, on ne peut pas faire mieux que Trappist-1 en termes de configuration favorable à l'observation. Et imaginer quelque chose qui pourra caractériser un analogue de la Terre, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd que le James Webb. Et le James Webb, ça a pris deux décennies et ça a explosé ses coûts. Ça a coûté au final 10 milliards de dollars ou 10 milliards d'euros. Et imaginer quelque chose qui serait deux, trois fois, je dirais, l'ambition de James Webb, aujourd'hui, ça semble un peu démesuré. Alors, il y a des projets qui sont proposés. Mais généralement, quand ils passent par les filtres de sélection des agences spatiales, ils franchissent les étapes. Mais à chaque étape, ils sont réduits. Et du coup, on perd un peu l'objectif des planètes plus terrestres pour aller... voilà. Mais ce que je pense, c'est que le futur de l'observation des exoplanètes, c'est l'imagerie. C'est-à-dire, c'est pas les méthodes indirectes, comme le transit ou la détection par vitesse radiale. C'est vraiment de prendre une photo des planètes autour d'une étoile, et ça suppose des grands télescopes. Et ça, on peut commencer à apprendre beaucoup avec des télescopes au sol, et notamment, le sol, moi qui travaille sur les atmosphères, ça m'embête, parce qu'il faut observer à travers notre atmosphère pour essayer d'étudier des atmosphères autour d'autres planètes. Donc les signaux se mélangent, sont absorbés, c'est très compliqué, on ne peut pas observer dans l'infrarouge parce qu'on se prend l'émission de notre atmosphère. Donc c'est compliqué. Mais néanmoins, les grands télescopes à venir, les très grands télescopes comme l'ELT qui va faire 39 mètres de diamètre, qui est construit actuellement au Chili, lui peut faire des choses intéressantes, peut aussi aller essayer de chercher des signatures atmosphériques par des méthodes comme la haute résolution spectrale. Il y a des choses à faire. Donc tout dépend. Les exoplanètes ont encore beaucoup à offrir. Nous, on travaille beaucoup sur un télescope spatial de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Ariel, qui est entièrement dédié à la caractérisation des atmosphères d'exoplanètes. Mais ce sont des exoplanètes plutôt chaudes et plutôt plus grosses que la Terre. Donc c'est quelque chose qui va plus intéresser les planétologues, les atmosphéristes, que les exobiologistes. Et ma dernière question s'adresse à l'amateur de littérature fantastique, de fiction. Vous êtes un des co-auteurs d'un nouveau festival qui s'appelle Hypermonde, un festival de l'imaginaire en Nouvelle-Aquitaine. Ma question, elle est simple, c'est qu'est-ce que vous inspire la découverte d'une telle diversité de planètes dans l'univers ? C'est un peu un vertige. C'est un vertige, c'est une confirmation des réalisations de l'imaginaire humain, de l'imaginaire débridé, c'est-à-dire que l'imaginaire très... c'est Feynman qui disait la science, c'est l'imagination dans une camisole, la camisole étant le fait de devoir respecter... ce que l'on sait par ailleurs de l'univers et de ses lois, et pour pouvoir en trouver de nouvelles. Et cette camisole, on l'avait un peu serrée, et du coup, en se gardant en tête l'archétype, l'étalon du système solaire, on n'a pas forcément su, en tout cas, anticiper, avec les outils de la science,
la diversité des Tatooine et autres planètes autour de systèmes binaires qui existent et que les auteurs de science-fiction ont imaginé. C'est-à-dire que dans la zoologie des planètes imaginées par les auteurs de science-fiction, on la retrouve aujourd'hui dans la véritable zoologie des exoplanètes. Donc l'analogie ou l'imagination ne marche pas toujours. Hein, quand dans les entretiens sur la pluralité des mondes, je fatigue, j'oublie le nom. Fontenelle. De Fontenelle à la fin du XVIIe siècle, voilà, il disait la Lune, il n'y a rien qui nous empêche. La science ne nous dit pas qu'il n'y a pas de vie là, etc. Donc il procédait par analogie. Forcément, il y a de la vie partout sur Terre. La science part du principe que les lois de la nature sont les mêmes ici et ailleurs, et ça n'a pas encore été infirmé aujourd'hui par les observations, mais néanmoins cette analogie elle a ses limites, c'est-à-dire que dans un premier temps on a exploré le système solaire, on a vu qu'il était, à part pour la Terre, stérile en tout cas de ce qu'on peut en voir. Donc aujourd'hui on se dit ah oui mais la Terre elle a une position particulière dans le système solaire, allons chercher dans les autres systèmes planétaires les planètes qui ont cette position particulière. Donc c'est naturel de faire ça. Après, cette analogie peut aussi nous décevoir par rapport, de façon similaire, à la déception qu'on a eue en explorant le système solaire. Mais néanmoins, elle est parfois juste, c'est-à-dire que, en supposant que tout ce qui était gravitationnellement possible autour d'une étoile ou de plusieurs étoiles, les auteurs de science-fiction ont plutôt bien anticipé ça. Donc, parfois, on se trompe, et puis parfois, on voit assez clairement finalement. Je voudrais citer deux choses. Il n'y a rien qui fasse obstacle à l'infinité des mondes. Ça, c'est Épicure, moins 290 avant Jésus-Christ. Et Carl Sagan dans Cosmic Connection, 1973. La vie extraterrestre est une idée dont le temps est venu. Reste à savoir, mon cher Franck, combien d'années ou de siècles il nous faudra patienter. Merci beaucoup. Merci à vous.